Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Souhait by Sonia. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans ce nouveau blog. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma grande sœur et je lui ai fait une surprise. Là, je vais aller récupérer son gâteau anniversaire que j'ai fait faire par une pâtissière spécialisée dans les gâteaux événementiels, que ce soit anniversaire, mariage, baptême, tout ce que vous voulez si vous avez un événement à fêter. Et donc en fait ça va être un gâteau trop mignon parce que le thème de l'anniversaire de ma sœur, c'est le thème tropical, parce que comme elle est née en juillet en plein été, je me suis dit pourquoi pas utiliser ce thème pour faire son anniversaire. Je suis chez Elodie qui est la pâtissière. De toute façon, je vous mettrai son Instagram si vous avez envie de checker ça, et je vais aller récupérer le gâteau d'anniversaire de ma sœur. C'est parti. Donc voilà, j'ai récupéré le gâteau et en plus la pâtissière m'a dit de le mettre à côté de moi et d'installer la ceinture de sécurité. C'est ce que j'ai fait, on verra bien, ça me fait bien rire tout ça. Donc voilà, le gâteau est bien installé et on va aller chez ma soeur. Et voilà, je suis arrivée chez ma soeur et là je vais commencer à décorer son appartement. Donc j'ai acheté pas mal de choses chez AliExpress, chez Jiffy, un petit peu partout, même chez Action. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai choisi et ensuite je vais commencer à placer la décoration. Le gâteau d'anniversaire est bien arrivé à bon port. Alors j'ai pas mal de petites cartes. Et du coup, voici, en fait, c'est un gros gâteau, il est assez grand et je suis trop contente. Je vais vous le montrer à la fin, pas tout de suite, et là, on va le mettre directement dans le frigo. Et voilà, je vais commencer à décorer l'appartement. Donc, je vais vous montrer avant toutes les décorations que j'ai achetées. Donc, il y a ce plateau qui est vraiment trop joli. Il est trop beau ce plateau avec trois perroquets, ça fait vraiment tropical, on est dans le thème complètement. J'ai acheté aussi ces guirlandes, donc ce sont des guirlandes à accrocher sur le mur et elles sont magnifiques. Je les ai achetées chez Action pour 92 centimes. Bon là je les mets un peu à l'arrache, mais bon vous allez voir le résultat quand je ferai la décoration, là je vous montre assez rapidement. Donc les guirlandes, elles sont trop belles. Voilà, on est encore dans le thème. J'ai acheté des petites décorations. Ah, il y a Ibiza qui miaule. Ibiza, tu miaules? Attends, je vais t'ouvrir la porte, comme ça tu pourras sortir. Allez, vas-y. Alors donc, je vous disais, j'ai acheté des petites décorations. C'est pour suspendre sur le mur. Je ne sais pas comment je vais faire, où je vais les placer, mais bon, je les ai trouvées assez jolies, du coup je me suis dit pourquoi pas les acheter. Et j'ai pris aussi de la pâte à fixe pour suspendre les guirlandes et j'ai vraiment hâte, franchement j'ai hâte de placer toute la déco. J'ai pris des pailles cartonnées couleur jaune, j'aime trop cette couleur et ça rappelle vraiment le côté estival. Et là j'ai pris quelques bougies à placer sur le gâteau. Ensuite, j'ai pris des petits pots apéritifs sous forme d'ananas et franchement, elles sont magnifiques. J'en ai pris 4 en tout. Ça coûtait peut-être entre 1€ ou 1,50€. Je ne me rappelle plus exactement le prix, mais je les ai achetés chez Action. Et j'ai pris aussi d'autres pots apéritifs sous forme de feuilles et franchement elles sont trop cute, j'aime trop en fait le design, c'est trop mignon et ça rentre encore une fois dans le thème tropical. Et là j'ai acheté 2 panneaux décoratifs pour les placer dans la maison et franchement ça fait tout son effet. Je l'ai aussi acheté chez Action, donc j'en ai pris 2, voici le premier et là c'est le deuxième. Et pour finir, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Amazon pour, encore une fois, décorer l'appartement avec le thème tropical. Donc, voici le colis. Je l'ai reçu assez rapidement. Donc, c'est parti. Je l'ouvre devant vous. Donc, voici comment se présente le colis à l'intérieur. On a pris des espèces de petits parasols pour décorer les boissons. Et on va l'ouvrir là. Il y a une ouverture facile. Alors, les ouvertures faciles qui sont difficiles, est-ce que vous connaissez? C'est un principe très simple. C'est qu'ils mettent une ouverture qui doit être facile, mais en vrai, il n'y a que de la difficulté.
Pour commencer, voici cette jupe de table pour décorer la table, tout simplement. Et en plus, c'est une jupe qui est satinée, donc j'ai hâte de voir le rendu. Comme j'en ai jamais assez, j'ai pris un lot de paille décorative avec des couleurs assez pimpantes, des couleurs estivales qui rappellent l'été. Donc c'est vraiment très joli. Et il y a sur chaque paille des fruits différents et je trouve que c'est vraiment mignon. J'ai pris un lot de fleurs en tissu, des fleurs hawaïennes et c'est trop chou. On peut décorer la table mais aussi faire avec un collier hawaïen. Ensuite, il y a ces décorations à suspendre en forme d'ananas qui sont en 3D et j'ai vraiment hâte de voir le rendu, le résultat. Je ne sais pas encore où je vais les accrocher, mais je verrai bien. Pour décorer mes cocktails, j'ai pris des petits parasols et c'est trop mignon. Regardez, j'aime beaucoup les coloris. Encore une fois, c'est très estival, c'est très frais, ça rappelle l'été. Et pour finir, j'ai pris des sous de table. Alors, je sais pas trop si ça se dit comme ça, mais au-dessus, je vais poser des assiettes, des petites assiettes, celles que je vous avais montrées, celles qui sont décoratives, par exemple celle-ci. Ça peut faire joli ou bien, non, je préfère plutôt mettre au-dessus des verres à cocktail pour décorer. Je trouve que c'est plus joli. Pas sur toi, papa. C'est moi qui l'ai mis là. C'est moi qui l'ai mis. C'est moi qui l'ai mis là. Ça filme? Oui, ça filme. Toi, ta mission, ça va être de me donner de la pâte à fixe? Alors pour accrocher la guirlande, j'ai mis de la pâte à fixe. Regardez là, j'ai essayé de fixer la guirlande avec la pâte à fixe. Ça m'a pas l'air de tenir vraiment bien. Il faut appuyer sur les extrémités parce que j'ai mis la pâte à fixe sur les extrémités. Et là ma chérie, tu peux me donner s'il te plaît? Tiens. Merci. Je t'en ai pris une tonne. Tu vois, tu vas donner un gros bout, ton bout, je peux en faire un petit bout. Ici, là. Je t'ai fait peur. Ibiza et ses bébés. Pardon Ibibi, je suis désolée. Ah, tu devais m'aider mais tu m'as abandonné. Non mais je vois ça.
là, on dirait qu'il est cassé, donc je pourrais pas le placer. Rafraîchissante, je prends des feuilles de menthe, des concombres, la moitié d'un citron jaune et d'un citron vert. Je remplis dans le distributeur à boisson de l'eau, je mets de l'eau minérale à l'intérieur. Je rajoute les concombres. Je presse le citron jaune et je mets une rondelle. Je fais pareil avec le citron vert. Et ensuite, je rajoute ma petite touche finale, les feuilles de menthe, et je place la préparation au frais. Final de la décoration tropicale que j'ai faite pour l'anniversaire de ma sœur. Elle était vraiment contente et ça lui a fait plaisir. Donc voici la petite décoration, comment j'ai posé la table. Et du coup, la vidéo touche à sa fin et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ma décoration et à liker la vidéo, ça me fait plaisir et ça m'encourage comme d'habitude. Bon, moi je vais me resservir une autre part de gâteau parce que franchement il était délicieux. Oh là là, quand je revois encore ce gâteau. Bon, j'y retourne et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao! Ah oui, j'ai oublié de vous dire, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez le contenu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.